Bienvenue sur Info Express, où une actualité digne des romans d'espionnage fait la une. Hichem Aboud, journaliste algérien et critique notoire du régime, a échappé à une tentative d'enlèvement en Espagne. Cette affaire révèle non seulement les tensions politiques entre l'Algérie et l'Europe, mais aussi le danger mortel pour les dissidents. Après avoir atterri à Barcelone, Aboud a été kidnappé en pleine ville, marquant le début d'une épreuve dangereuse. Il a été transporté sur près de 600 km vers la Costa Calida. C'est là, dans une dernière manœuvre dramatique, que la Guardia Civil a réussi une opération de sauvetage miraculeuse, empêchant de justesse son départ par bateau. Les autorités espagnoles ont identifié une implication directe des services secrets algériens dans cet acte audacieux. Avec des ravisseurs ayant des liens criminels, cette opération soulève de sérieuses questions sur l'espionnage clandestin d'Alger en Europe sous la direction du général Saïd Chengri A. En conséquence, l'Espagne considère cet incident comme un acte terroriste, envisageant des mesures diplomatiques sévères. Les implications pour les relations internationales sont profondes, mettant en lumière le sort précaire des journalistes et dissidents algériens à l'étranger. Désormais en sécurité en Andalousie, Aboud s'apprête à partager son expérience dans un live stream sur la chaîne YouTube de son ami, le journaliste en exil, Anouar Malek. Susceptible d'apporter de nouvelles révélations sur les opérations algériennes en Europe, ce cas met la communauté internationale face à un choix. Comment mieux protéger les voix critiques et préserver la liberté de presse? Les régimes autoritaires repoussent sans cesse les limites, mais la vigilance collective peut offrir un contrepoids. Restez à l'écoute d'Info Express pour les développements les plus récents sur cette affaire explosive. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.